Bonjour à vous, Azoul Mselkhir. Il est difficile pour nous de reprendre nos émissions après avoir enterré encore un collègue. Amin Fedala s'en est allé à l'âge de 41 ans. Jeune encore, tellement de choses encore à vivre. Nos sincères condoléances à notre collègue Amel Fadi et leur fils Amir. Que la force soit avec eux pour passer cette dure épreuve. Et pour tous ses collègues et sa famille. Et pour tous ceux qui ont perdu un être cher. Courage à vous. 14h08, ravi de vous retrouver en ce dimanche 24 novembre 2024. Alors pour ce premier numéro de la semaine, notre magazine s'intéresse au travail que va vous proposer la Fondation Abdelkrim Dali, la quatrième édition du prix Cheikh Abdelkrim Dali. La soirée d'inauguration aura lieu à l'Opéra d'Alger à 19h30. On en saura un peu plus avec nos invités. Évidemment, il y a une info à retenir. Cette édition, elle sera dédiée à la mémoire de Nourdine Saoudi Lairhmo et nos invités. Donc, on a le plaisir d'avoir en direct dans les studios d'Alger Chaîne 3 Madame Ania Boumaza. Elle est chargée de communication, elle est membre de la fondation. Bonjour Ania. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Merci pour l'invitation. Et nous avons également, elle va arriver dans quelques instants, Wahiba Dali. Elle est au niveau de, elle fait la promo aussi, communication. Elle est au niveau de Radio Dil FM. Elle va arriver dans quelques instants. Et nous avons également avec nous Monsieur Hadi Boukroua. Il est chef d'orchestre. S'il n'a pas changé l'air. Il a aidé beaucoup, alors voilà, oui, tout à fait. Vous allez bien? Alhamdoulilah. Merci d'être avec nous en direct. Alors, et on nous aura par téléphone, on parlera aussi de poésie avec Brahim Hajj Slimane en direct de la wilaya de Tlemcen pour nous présenter son ouvrage La voix des sans voix, paru aux éditions Bouskine, et un autre ouvrage Dépôt des îles perdues, poésie et nouvelles. Alors, il interviendra par téléphone, Brahim Hajj Slimane. Voilà. On commence peut-être, première question à vous, Ania Boumaza. Alors, on peut peut-être présenter cette quatrième édition. Oui, exactement. Pour le grand public. Donc, la quatrième édition du prix Abdelkrim Dali aura lieu du 25 au 29. Mmh. Donc, il faut retenir les dates. Ça va s'étaler sur 5 jours. Mmh. Donc, la soirée d'ouverture va se faire demain, 25, mmh, au niveau de l'Opéra d'Alger à partir de 19h30. Oui. Elle sera animée par Lila Borsali, la talentueuse Lila Borsali, mmh, et Hamedo. D'accord, il y aura du monde. Exactement, mmh, il y aura du monde, on s'attend à avoir du monde, Inch'Allah, ouais, on l'espère. Ouais. Et il y aura aussi Sihem Knouch, mmh, qui va être présente aussi sur scène, mmh, pour, particulièrement pour relater des histoires sur Nourdine Saoudi Birhamo, le, ouais, défunt Nourdine Saoudi. Donc là, c'est la soirée d'ouverture. Mmh. Après cela, on comptera 3 jours de concours. Donc le concours pour les candidats, mmh, va, oh, se passer au niveau du conservatoire Abdelkrim Dali à Kouba. Exactement. 26, 27, 28. Donc, oui, ça va s'étaler sur 3 jours. Ce sera, oui, tous les soirs à partir de 19h. Oui. 8 candidats en lice. Exactement, oui, il y aura 8 candidats en lice. Donc le concours va se faire tous les jours à partir de 19h. Mmh. Voilà. Pour vous, le Hadi, cette quatrième édition qui est dédiée à la mémoire de Nourdine Saoudi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Elle va être particulière. Très spéciale, mmh, comme édition, le haq. Parce que Cheikh Nourdine, tarbina alayhi tout hna, la kulli hal. Malgré que personne ne m'a dit Saoudi directement, mais indirectement, c'est un de mes maîtres. J'ai eu l'honneur de travailler avec lui dans son orchestre. J'étais même à Saragosse en 2008. On a eu le premier prix, c'est grâce, oui, à Nourdine Saoudi. Ouais. On a donné un spectacle de très 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 haut niveau. Donc ça va être un peu spécial. Un peu difficile. C'est triste. Oui, c'est triste. Parce très que triste. Racontez que l'année passée, la troisième édition, il y avait un monde fou. Bah, ça s'est passé au TNA. Ouais. Il y avait des soirées. Il y a quelques mois, magnifiques. Ouais. Quelques mois, Brooklyn. Si vous voulez, tout de suite. هذه قصة سفر طويل وهذه حكاية عبد الكريم دالي ومن تلمساش شد الرحيل وفي الجزائر حط قلب سالي دالي دليل بالجود والوفا وبه زيان حالي أهم ميزان وصنعة تحفة غريب زيدان وموالي حنانا في الصوت جهار إذا غنى سحر دالي تغريدة منه معيار بعود الرباب الغالي في الحوز والعروبي علام في الصنعة والغرناطي شان عالي سياحة غربي بالتمام وفي المديح والغزل لا تسالي مزينو نهار اليوم به كل عيد القلب سالي العرصة والكاوي مشموم وقصيد وخرين وآلي
C'est le récit d'un long chemin. C'est l'histoire de Cheikh Abdelkarim Dali. 14h19, c'est l'instant culture. Évidemment, cette quatrième édition pour célébrer le travail de la fondation de Abdelkarim Dali la dédie à Nourdine Saoudi, qui lui aussi nous a quittés. Le 4 juillet 2024, on pense très fort à lui et à sa famille. Et là, les membres de la fondation sont vraiment tristes, mais on est obligé de parler de lui, de l'évoquer. Et vous me disiez, et je voudrais aussi remercier Amine Louli, d'ailleurs l'intégralité de l'émission demain qui est présentée par Lila Boursali, de 13h à 14h. Vous retrouverez aussi un hommage à Nourdine Saoudi pour évidemment parler de cet événement qui est la célébration de la quatrième édition de la fondation de Abdelkarim Dali. Vous me disiez, Hadi, que Nourdine était un génie. Ah oui, c'est un génie. C'est un type qui a dépassé son temps. Il faisait tellement de choses. Ah ben, c'est entre ses interprètes de musique andalouse, préhistorien, chercheur. Qui ne s'aime pas Nourdine Irni, Nourdine Saoudi, c'est un grand maître de musique andalouse. Cette souplesse artistique entre le traditionnel, le moderne. D'ailleurs, la nouvelle conception des concerts actuellement de musique andalouse, surtout pour les professionnels. C'est sa propre touche. Ah, c'est Nourdine qui l'a. Et comment elle est? Alors, vous pouvez nous la présenter? C'est quoi la touche de Nourdine Saoudi pour la célébration? Zeman, c'était... D'habitude, c'était classique. C'est classique. Il y a l'orchestre assis, l'animateur, il le présente, il vient, il salue le public, il prend son instrument, il s'assoit, il commence à chanter. Au Qawal Akhir, au Amnaj. Non, Nourdine, c'était autre chose et ça a commencé avec Rihla. Avec Rihla, c'était à Saragosse. En 2008 que ça a débuté. Il a modernisé, on va dire. C'était un spectacle, c'était... Genre d'opérette, Rihla, c'est-à-dire on partait de Tlemcen, Alger, Constantine, en Espagne, Grenade et tout. Et à chaque tableau, il y a une tenue spéciale, il y a un décor spécial, il y a une danse. Anya, alors est-ce que vous pouvez nous dire comment ça va se passer pour le déroulé des concours au niveau de la fondation? La mémoire restera? Est-ce qu'on va encore continuer à faire vivre dans ce concours la mémoire de Nourdine Saoudi? Toute la quatrième édition sera dédiée à Nourdine Saoudi. Donc ça va commencer à partir de la soirée d'ouverture en passant par le concours et en allant vers la soirée de clôture qui va se passer le 29 au niveau de l'Opéra d'Alger. Donc toute la quatrième édition, et mon collègue va me rejoindre sur ça, donc toute la quatrième édition sera un hommage au défunt Nourdine Saoudi. Il a tellement contribué au travail de la fondation, il y a tellement mis de cœur, il m'en parlait très 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 souvent que je pense que la fondation ne pouvait que lui rendre hommage avec tout ce travail. Il a accompli tellement de choses et il faut savoir aussi que ce sera beaucoup d'émotions parce qu'il était aussi directeur de l'opéra. J'ai beaucoup travaillé avec lui quand il était... Il a occupé plusieurs postes. J'étais manager de Kharja, comme on le sait. Et j'ai beaucoup travaillé. Moi, je l'ai connu en tant que directeur de l'opéra. Je le connaissais d'avant parce que il est dans la musique andalouse et comme je suis un peu fan, donc c'est comme ça que je l'ai connu. Ensuite, c'est devenu quelqu'un qui faisait partie de mon quotidien et j'allais très très souvent à l'opéra. On se rencontrait très souvent. On avait des discussions sur la musique andalouse, sur ce qu'il faisait comme chercheur. Il m'a raconté toutes ses aventures de vie. Donc c'est vraiment... J'ai pris le projet parce que je voulais réellement lui rendre hommage. C'est-à-dire que j'ai pris l'événement de la fondation Abdelkarim Dali, la quatrième édition. J'ai vraiment accepté de le faire parce que Abdelkarim Dali reste aussi un maître pour nous. Voilà. Mais voilà, pour moi, il était très très important de rendre hommage à quelqu'un qui a fait partie de ma vie, qui est parti très très brutalement. On se dit arraché. Il nous a été arraché. J'estime qu'il nous a été arraché. Et pour moi, c'était très important de le faire. Pour vous, monsieur Hadi Boukoura, quand on parle du travail de la fondation Abdelkarim Dali, évidemment, quatrième édition dédiée à la mémoire de Nourdine Saoudi, mais que reste-t-il? C'est une édition qui revient chaque année, mais que reste-t-il chez vous, les jeunes, on va dire, musiciens du monde andalou, que reste-t-il de la mémoire de Abdelkarim Dali? Elle est perpétuée, on répète encore son répertoire, on y travaille dessus? Bon, le répertoire de Abdelkarim Dali, c'est le répertoire andalou. Lui-même, il a eu deux semestres. Donc, c'est une chaîne interminable à ce jour.
Donc, mais est-ce que grâce à la fondation, on perpétue plus, oui, on sauvegarde plus? Tout à fait, la fondation, elle participe de son côté, de ses... Oui, elle fait un excellent travail. Déjà, le fait de faire découvrir de jeunes talents, c'est déjà une aubaine pour ces jeunes. Parce que la majorité, c'est des élèves d'association. Des élèves d'association, généralement... De différentes wilayas d'Algérie. Oui. Il y a 4 wilayas, je crois. Oui. Il y a la wilaya de Tipaza, il y a une candidate de Chelchel, il y a une candidate de la wilaya de Blida, qui est élève à Filboufarik... Ça va revenir. Ok. Il y a 4 candidats de Mosta. Il y a un candidat de Skikda. Ok. Donc chacun avec son style. Un candidat de Biskra. Ouais. C'est l'école d'Alger. Oui. Ils vont chanter que l'école d'Alger. Mais si vous-même vous devez définir Silhadi Boukoura Abdelkrim Dali, qu'est-ce qu'il représente pour vous? C'est la référence. Ok. C'est la référence. Dans Fikoulch. C'est la référence. Flafada. La manière de chanter, que ce soit... Surtout que Abdelkrim Dali, il ne chantait pas que l'andalou. Il chantait le Haouzé, le Arabi, le Beldi. Donc il touchait à tout. Mais pourquoi dans la mémoire des gens, il y a juste une chanson qui a marqué? C'est Al-Aid. Oui, pourquoi selon vous? Parce qu'on s'est réveillé depuis des années avec cette chanson? Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu une chanson égale à cette chanson, tout simplement. C'est le génie. C'est le génie Abdelkrim Dali. Hadak sahel moumtana. Qui t'aime les paroles, c'est ça, mais il faut le faire. Oui, c'est bien interprété. Ah, il faut le faire. Déjà, il a choisi le tab Raml Maya. Raml Maya, c'est un halou, fait le fraha. En plus, avec un rythme berwali 6-8, c'est un rythme dansant. Donc, il n'y a que la joie dans cette chanson. Oui. On ne peut que... Nal'aïd, il s'en est qu'on triste. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a une tristesse. Pourquoi il y a la tristesse? Parce qu'on pleure une personne qui part. Qui part, bien sûr. Elle est dans le gourbaq le boumharou. Elle est dans le zaïb qui est là, moi, elle est là. Voilà. Mais ça reste une chanson... Indétrônable. On donne à l'aïd. Mais j'imagine que vous, en tant que musicien, il y a d'autres textes ou d'autres extraits indémodable encore. Ben mais oui. On écoute cet extrait puis je reviens vers vous. Par exemple. Alors, qu'est-ce que on peut dire sur ce morceau-là qu'on vient d'écouter, Silhadi? C'est un darj fait tab al-dil, khadem li saadi. C'est un monument fait en musique andalouse hada, surtout qu'ils ont ce ma'a Abd Krim Dali, tberbera. D'accord. Ouais. Pour vous, c'est une référence, hein, vous me disiez. Oui. Non, c'est un maître. C'est un maître. Mais au niveau de la fondation, comment on perpétue sa mémoire, Silhadi? De quelle manière? Donc, vous n'avez pas que cet événement en 4e édition. Oui. Anya... Non, récemment, il y a eu un colloque. Sur sa mémoire. Oui, exactement. Donc, si ma mémoire est bonne, j'y avais pas travaillé, mais il y a eu un colloque en avril. C'est ça. C'était Nordine qui m'en avait. C'est Nordine. Du 25 au 27 avril dernier. Exactement. Voilà, c'était un colloque pour revenir sur sa mémoire. Et c'est un riche patrimoine qu'ils ont laissé. Oui. Exactement. Il y a eu de grands professeurs, Domenada. Même d'Espagne, de France. C'est des musicologues, Lija ou Hadro. Bon, en général, de musique andalouse, mais spécialement le génie Abdelkrim Dali. Alors, qu'est-ce qui faisait sa particularité, si on pouvait le présenter, vous, en tant que musicien, Silhadi Boukoura? Abdelkrim Dali, Ken Marouf, surtout, l'authenticité. Apprendre un morceau à l'Abdelkrim Dali, de l'effet balk, de l'écriter, à la combien de générations les qablou. Sa façon de prendre ou de jouer l'instrument, oui. Unique, comment elle était? Ah, c'est un génie, le oud. Tout à fait. Il a touché le fhal. Il a la mandoline. Il a fait le rebab, le oud. Le piano aussi? Il touchait au piano, oui. Vous imaginez à son époque? Non, c'est un génie. Oui, de et puis, pouvoir maîtriser tous ces instruments de musique. Dernièrement, on m'a envoyé un instrument, une qaada d'Ali et Bachtarzi. Bachtarzi, Allah yarhamhom, yishtkhbar, ou Abdelkrim Dali, il a fait le oud. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est phénoménal. Donc la maîtrise des instruments de musique, vous la justesse, la puissance et l'authenticité.
Et qu'est-ce qu'il dans son répertoire, qu'est-ce que c'était des textes évidemment qu'il retravaillait, des textes de la mémoire parce que la musique andalouse on sait que c'est un patrimoine qui appartient au Maghreb, mais lui quels étaient les morceaux qu'il préférait Sil Hadi? Tout simplement, c'était un mordu de musique andalouse. Mm-hmm. L'avantage de Kanand Abdelkrim Dali, c'est que huwa aslan tlemsani. Donc le départ tao c'était l'école Tlemcen. Une fois mais après, comment Alger, il a évolué, voilà, pour être, pour une fois à Alger, est devenu dans le mode algérois. Bah oui, Zad Amr Chéha, qui m'a dit, Zad Ta'allem, l'école d'Alger, il maîtrise les deux écoles. Oui. Alors, le Hawaza, il est unique, le Hawaza, le Kim Dali. Il est unique, avec une justesse, et je crois que dit tout là, d'aller les arts de cette manière, il traite de Maroulma, il y a un gars, ou trois l'Algérie, ça c'est phénoménal. L'Hafada. Ah, oui. Et il partageait oui. Est-ce que c'était quelqu'un qui était partageur? Oui, il a laissé. Il a combien long d'élèves maintenant, on va dire? Vraiment, il reste. Il a formé. Entre autres, Saoudi Nordin, qu'un élève en dos. La preuve, quand il a un lot d'enregistrement, il a dit شغل surtout dans l'Hawaza. Il قال شغل فلاني يتخدم هكذا ورمل ما يوم بعد يروح للعراق وكذا وكذا والميزان تاعو كذا وكذا اب ويخرج به كاينهم يدوروا لي جونسترومون هذوما بيان افون قبل من سري الله يرحمه سري هنا وهنا وخلانا ربي يرحمه كثر خير وكيف كيف خلانا ان تريزور عبد الكريم دالي كان دارها في الحوازه والعروبيات و Ah, ma cache, une école, une référence. D'accord. Ania Boumaza, est-ce qu'on peut avoir quelques informations? Il y a combien d'adhérents au niveau de la fondation de Abdelkrim Dali? Est-ce que c'est des jeunes? Moi, j'allais en parler pour vous dire que je pense que le travail de la fondation est important pour vraiment donner accès à la jeune génération, au patrimoine culturel et au patrimoine musical que nous avons en Algérie et particulièrement pour la musique andalouse. Donc je pense que il faut vraiment appuyer et mettre en avant tout le travail qui est fait par la fondation pour transmettre aux jeunes, parce que maintenant notre rôle à nous c'est de transmettre aux jeunes et de donner de préserver et de donner envie à la jeune génération d'aller vers cette musique. Et je pense que comme tu l'as souligné tout à l'heure, Nordin Saoudi a donné une nouvelle méthode ou une nouvelle approche pour approcher la scène, d'interprétation et tout ça. Donc je pense que c'est très important tout ce travail qui est fait. Nous on doit encore le perpétrer, le travailler encore et le transmettre. Et c'est le travail de ce genre de fondation, que ce soit cette fondation ou d'autres écoles ou d'autres fondations. On a une idée du nombre, Ania? Alors, le nombre et le profil, ils viennent d'où? Est-ce que c'est que des musiciens ou de différents milieux? C'est des mélomanes, des amoureux de musique andalouse. Les portes sont ouvertes pour tout le monde. D'accord. Voilà. Alors, vous avez dit pour la soirée d'inauguration, Hamedou. Exactement. Donc, la soirée d'inauguration, on aura Hamedou accompagné de Lila Borsali. Il y aura un documentaire sur un petit film documentaire sur Nordin Saoudi Arbi Irhamou. Et donc, les billets sont déjà disponibles au niveau de l'Opéra d'Alger. Donc, l'entrée est payante. Le ticket est à 1500 dinars. Voilà. Mais ça en vaut la peine, je pense. Oui. Avec deux grands artistes comme ça et tout ce qu'il y aura sur scène, je pense que c'est très important de le souligner. Donc ils seront accompagnés de l'orchestre Abdelkrim Dali aussi. Donc c'est très important de le dire. Sous la direction de Lil Kebir. C'est un détail que j'avais oublié. Donc c'est sous la direction de Lil Kebir qui travaille avec Lila Borsali. Donc c'est très important de mettre ça en avant. Les trois soirées, donc il faut souligner aussi que les trois soirées du 26, 27 et 28 sont sur accès libre et sont accessibles au public. Donc les personnes qui veulent découvrir les candidats et veulent découvrir le travail des candidats et les écouter aussi et apprécier la musique andalouse, donc 26, 27, 28 ce sera au niveau du conservatoire Abdelkrim Dali à Kouba, l'école de musique de Kouba, l'entrée est gratuite. Voilà, donc sur le GPS c'est écrit école de musique de Kouba, accessible sur le Maps. Donc les trois soirées sont sur accès libre et le public est convié pour y être. La soirée de clôture, on va retrouver Mriem Belalal accompagnée de Samir Toumi avec la remise des prix pour le gagnant du prix Abdelkrim Dali pour la 4e édition. D'accord, alors on écoute un extrait, celui de Hamedou évidemment, et je sais qu'il attire du monde, Hamedou. Il ne prend pas de ride, on le salue.
Il est 14h40, et ben la poésie elle attendra demain, on s'excuse, hein, au prix de Brahim Hadj Slimane, notre poète, la voix des 100 voix. On l'appellera demain, il est à partir de Tlemcen, pour parler de sa poésie. On continue parce qu'il y a un hommage, cette quatrième édition qui se prépare. Donc la conférence de presse s'est bien passée, Ania Boumaza ? Oui, oui, il y a eu mercredi, des questions intéressantes. Oui, assez. Il n'y avait pas assez de médias, on va dire, puisque il y a eu le remaniement ministériel et tout, donc il n'y en avait pas assez. Mais la revue de presse sera assez conséquente car les médias ont assez bien relayé l'information. Donc, alors, l'édition précédente, est-ce qu'on peut parler, Silhadi Boukoura, qui était lauréat ? Il venait de quelle école ? C'est Madame Nassim Mahfaf, élève de la Cordoba d'Alger. Mais cette année, il y aura un niveau aussi très très élevé. Alors dites-moi, la Fondation Cheikh Abdelkrim Dali, est-ce qu'elle choisit donc tout le long de l'année ses candidats ? Elle les appelle, elle leur dit préparez-vous, vous devez passer des concours, comment ça se passe ? Alors il y a un avis sur les réseaux sociaux, quand les gens désirent participer au concours, ils s'enregistrent. Oui, bah, une vidéo de 5 minutes. Oui, il y a un appel à candidature. Voilà. Il y a un premier tri, donc on choisit les meilleurs et on garde les... Et quels sont les critères de choix, monsieur le chef d'orchestre ? C'est la idée, vous allez nous dire. C'est quoi ? C'est aussi simple, il faut savoir chanter juste, avoir le mizan. Et puis, je pense que le problème est dans le mizan. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vous le spécialiste. Oui. Hein ? Bon, alors, sincèrement. Oui, dites-moi. Alors, un chanteur, il met le mizan, c'est la base. Oui. Il y a le mizan. Et l'interprétation ? Comment poser sa voix ? Ah, bah oui, et la voix. La justesse. Il faut qu'on ait un minimum de... Parce que la dernière fois, j'ai assisté à un concours, je ne vais pas citer, mais bon, je trouvais que ça chantait faux. Bah oui. Voilà, je ne suis pas une spécialiste, mais ça frappait, hein, l'oreille, ça frappait que c'était chaud. L'oreille, mettre que il ne faut pas être un génie. Donc, vos critères, c'est... C'est la justesse, le mizan, et bien sûr... parce que la musique Est-ce qu'il y a des choix, par exemple, pour les instruments de musique ? Non, pas du tout. Donc il peut choisir l'instrument qu'il veut, le candidat. Même les mains et la bouche. D'accord. Des textes, est-ce que les textes eux-mêmes choisissent ou vous exigez ? Généralement, ils disent d'argent, saraf ou mkhilas, à leur choix, on impose rien. D'ailleurs, même le concours, on n'a pas imposé. Seulement, personnellement, j'ai donné l'instruction au candidat de choisir un mot. Oui, lequel ? À leur guise. Hein. D'accord. Mais une fois le mot est choisi, les autres ils n'auront plus le droit de le jouer. Abdelkrim Dali, c'est Haouzi, on le dit maître du Haouzi. Est-ce qu'on exige plus de Haouzi ou un autre mode ? Non. Pour le moment, il n'y a que la Nouba. C'est une idée, pourquoi pas ? Peut-être que... Les prochaines éditions, il y aura du Haouzi. Pourquoi pas ? Abdelkrim Dali, il a chanté tout. Mais pour être dans le même pied d'égalité, si on chante le Haouza, Kamel Irnou le Haouza, pour bien les juger. S'ils sentent la Nouba, c'est la Nouba pour tout le monde. Et alors, le comité, on va dire, le jury, Ania Boumaza, est-ce qu'on sait les membres ? Qui sont-ils ? Alors, oui, c'est les membres. C'est le président, c'est M. Boukli. Salah Boukli. Exactement. C'est tous des musiciens. C'est un maître. Voilà. Le maître, ça va boucler. Avec monsieur Ben Rabaret. Exactement. Exactement. Il y a deux Tlemcen, normalement, si mes souvenirs sont bons. Oui. Et il y a un Constantinois. Exactement. Donc le jury se compose de quatre jurys, des sommités, qui vont pouvoir évaluer les candidats. Pour le concours. Et pourquoi vous me disiez en tant que musicien Al-Hadi Boukoura que le niveau était très bon de ces candidats ? C'est que ça veut dire il y a quand même une bonne présélection qui se fait avant. Tout à fait. Les jurys cette fois-ci ils ont dû. J'aimerais pas être à leur place parce que les 8 candidats sont d'un niveau vraiment appréciable. Vraiment, ça prouve que les associations font du bon travail. Ça, c'est... Alors, combien d'associations y a-t-il qui, selon vous, monsieur Al-Hadi Boukoura, perpétuent encore la mémoire de Cheikh Abdelkrim Dali ? C'est toutes les associations sans exception. On travaille tous le répertoire andalou que Cheikh Abdelkrim Dali a travaillé lui-même. Il a excellé dans ce domaine. Donc, on perpétue cette tradition à nos élèves.
Et pourquoi pas, Inch'Allah, à la Chibala, comme il y aura d'autres Dali hein, à l'avenir. Qui m'a dit بالك خير من دالي بالك عر من دالي بصح كيما دالي ما كاش ça veut dire il y aurait pas quelqu'un qui pourrait le remplacer un petit peu qui pourrait qui a le talent on peut pas avoir du talent comme lui شوف عبد الحميد بن عاشور غزل حميد بن عاشور دالي غزل دالي mais pourquoi alors ça sert ces fondations c'est pour trouver des perles comme ça qui prendront la relève justement on peut pas rester les maîtres peuvent être uniques mais on aura d'autres voix d'autres maîtres au contraire on va enrichir le si vous deviez décrire en tant que chef d'orchestre Hadi Boukoura la voix de Abdelkrim Dali comment vous la décririez comment est-elle C'est une voix veloutée, puissante, juste d'une justesse irréprochable. Et puis, elle nous berce. C'est Abdel Karim Dali. Il dit qu'il est Il faut d'ouvre pour aller avec lui. Samir Toumi, Ania Boumaza, il sera à la clôture. Il sera à la clôture. Donc la soirée de clôture se fera le 29. Deux styles différents. Donc on commence avec Hamidou. Exactement. Et Lila Borsali. Et on salue. Demain, elle sera ici sur les ondes d'Alger Chaîne 3 pour parler aussi de la fondation et de la mémoire de Abdelkrim Dali. Exactement. La soirée de clôture se passera au niveau de l'Opéra d'Alger, toujours, à partir de 19h30. Ce sera le 29 novembre, donc le vendredi. Oui. Donc ce sera avec Samir Toumi et Mriem Bilalal. Alors on va écouter tout de suite Samir Toumi pour nos chers auditeurs et mélomanes. Il est 14h49, allez-y, hein. Moi je veux que vous chantiez en direct là, c'est le Hadi Boukoura. Vous êtes chef d'orchestre, mais si, je vous ai entendu là, vous chantez. Juste un petit quelque chose de Abdelkrim Dali, qui d'ailleurs on vous dit sera connu par des mélomanes et dans des grandes villes d'Algérie et participera à toutes les fêtes qu'animait Tetma. Finalement il a commencé avec Tetma. Oui, quand on a travaillé Jumaa. Oui. En 1930, il enregistre déjà son premier Istikhbar. Tout à fait, tout à fait. Famille de mélomanes. Oui. Oui. Pour dire Atlemsen. Donc, OK, alors on prend tout de suite, si vous permettez. Mettez vos casques. On a Ben Halal Mariam. Elle sera. Mariam, elle animera une soirée. La clôture. La clôture. Alors, bonjour Mariam. Bonjour, bonjour. Béda, avec vous. Alors, merci de participer avec nous en direct. Ben, c'est moi qui vous remercie. Malgré un petit pourcentage de batterie, là. D'accord, petit pourcentage. Alors, dites-nous, qu'est-ce que ça fait, d'ailleurs, d'animer la soirée de clôture de... Qu'est-ce que représente pour vous Abdelkrim Dali, Mriem Ben Halal? Ben, Abdelkrim Dali, c'est toute ma jeunesse déjà. C'est mes débuts. C'est ma référence, on va dire. C'est l'une de mes références en matière de musique andalouse. Et puis, c'est un honneur de pouvoir rendre hommage à cette sommité en matière de musique andalouse et puis aussi de partager la scène avec de grands artistes. Ça ne peut que faire plaisir. Voilà. Oui. Alors c'est important d'être parmi les interprètes qui seront sur scène pour la quatrième édition du prix de Cheikh Abdelkrim Dali. Est-ce que vous avez l'habitude de participer ou c'est la première fois qu'on vous sollicite? Vous êtes habituée? Pour moi, c'est la première fois que je vais participer à cet événement. D'accord. Et bah dites-nous, elle est dédiée à cette édition, elle est dédiée à qui? À quelle mémoire? Excusez-moi? Est-ce que vous savez cette quatrième édition, elle est dédiée? Oui. Elle sera dédiée à qui? C'est à M. Saoud El Hachmo. Oui. C'est une grande perte, on va dire, pour la scène musicale algérienne, notamment la musique classique algérienne. Et c'était un très bon ami. D'accord. D'ailleurs, j'ai travaillé pas mal de fois. J'avais travaillé pas mal de fois avec lui, et voilà, c'est un honneur de pouvoir être, c'est-à-dire en même temps dans cet événement de participer à lui rendre hommage. Voilà. Alors, dites-moi, donc c'est bien de penser aux morts, aux absents, mais est-ce que vous avez une idée du programme que vous allez présenter, Mriem Ben Halal, pour la soirée de clôture avec Samir Toumi? Oui, alors pour la soirée de clôture, ça va être accentué de mon côté sur le Chouazar. Donc, comme je suis de l'école de Tlemcen, ça va être Haouzi et Medih. Haouzi en première partie, deuxième partie, ça va être Medih. Voilà. D'accord. Alors, allez-y. Oui, il y a le chef d'orchestre qui veut vous poser une question. Mariam, c'est le khair. Oui. Ah, Hadi, où ça va? Il y a le Hadi et Ania Boumaza sont en direct avec nous. Il y avait Wahiba Dali. J'ai reconnu sa voix. J'ai reconnu parce que je lui parle souvent au téléphone. مريم وي وين هادي الحمد لله نلت قصدي وبلغت منايا وي
Hadi du bien, elle est belle. Allez, 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 un petit... avec plaisir. Avec plaisir. Plaisir. Oui, bah, c'est dommage que le téléphone. Il... Mais en tout cas, il a tenu 1%. Hein. Merci beaucoup, Mariam. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour c'était un plaisir de partager ce petit moment avec vous. Bah, écoutez, vous revenez. Et Inch'Allah, j'espère qu'on pourra se voir lors bien de sûr, l'hommage. Inch'Allah. De l'hommage. Et puis marhaba vous bikoum. Merci. Et marhaba bikoum, le public qui va venir. Voilà, j'espère qu'ils seront nombreux à assister. Merci beaucoup, Mariam Benalel. Et puis vous aussi, bienvenue à vous, à la radio algérienne, dans l'instant culture, ça nous fera plaisir. Donc, Mariam Benalel, Samir Toumi, ça c'est pour la clôture, l'inauguration pour la soirée à Nia Boumaza. Vous l'avez annoncé, monsieur le grand Hamidou, avec, la grande Lila Borsali. Et évidemment, le concours est important. Il y aura, ça se passera au niveau de l'école de musique de l'Qubba. Dites-moi, monsieur le Hadi Boukroa, est-ce que les tenues, on est regardant? Oui. Alors, ah oui, c'est un critère de notation. C'est un critère de notation, oui. D'accord. Comment faut-il être habillé? Sarouel Chalka, Gandora, qu'est-ce qu'il faut? En traditionnel, voilà. Les garçons, les filles. L'Algérie, elle est riche. Hein. Oui, même c'est du Bakbaï, le Marhaba. Bien sûr. Ou la Tergia, ou là, c'est notre culture. D'accord. Hein. Mais être avec une tenue traditionnelle. Présentable, bien sûr. Voilà. On peut rappeler donc le lieu à l'Opéra. L'Opéra, oui. Oui. Le 25, donc demain, le 25, c'est l'ouverture qui se fera à l'Opéra avec Lila Borsali et Hamidou. Voilà. Et l'hommage qui sera rendu à Nourdin Saoudi avec. Il va y avoir un petit documentaire de sa vie. Voilà, qu'on retrouve, voilà, voilà. De sa vie, sur, principalement artistique. Voilà. Il y aura le 26, 27, 28, c'est le concours au niveau du conservatoire Abdelkrim Dali à Kouba. Et le 29, ce sera la clôture avec remise des prix. Ce sera animé par Samir Toumi et Mariam Benalel. Voilà, qui nous a fait le plaisir de partager. Alors, on le dit, Abdelkrim Dali, il existe, il excellait aussi bien au rabab qu'au luth, au chant. C'était le meilleur interprète du Haouzit Lemsania. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter avant ça, monsieur le Hadi Boukroua? Il y a aussi Dali, le poète. Oui. Une petite poésie avant de nous quitter, Ta'o? Oui, Boukroua. Alhamdoulillah, notre elle est belle, hein, dites-le nous avant de finir un petit, deux petits. Alhamdoulillah, notre qasdi, ou blakhtem naya, zort le Mustafa, habibna, nabina l'adnan. Il raconte quand même le, yani, mliq l'oumd zahir, hatta l'hkoul l'ard l'hijaz. Il y a aussi la fameuse Naslam Tahmouni, Bikal Sbiya. C'est-à-dire que Saoudi chantait très très souvent. Non, c'est de très très beaux textes. Oui, oui, non. Dali, c'était un poète, c'était un compositeur aussi. Qu'on fera et qu'on pourra encore faire découvrir aux jeunes générations. Hein. Donc allez-y, rendez-vous. La Fondation Cheikh Abdelkrim Dali vous donne donc rendez-vous au niveau de l'Opéra d'Alger. Wahiba Dali s'excuse parce qu'elle était sur Radio Dil FM. En tout cas, vous avez bien représenté la Fondation. Merci à vous, Sil Hadi. Merci à vous, Ania. Et puis je vous souhaite beaucoup de succès encore pour cette quatrième édition. Et puis vous reviendrez pour nous parler des lauréats. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Déjà, je pense avoir le prix de Abdelkrim Dali. C'est beaucoup d'émotion dans son. Le titre. Voilà, le titre, voir. Oui. Oui. Voilà. Merci. Merci, comme ça. Merci à Mohamed Toualbi, merci à Adlen, et puis à Ikram qui était au streaming, et puis à notre chère régisseuse. Merci à vous, chers invités. Merci. L'émission est podcastée sur Radio Algérie chaîne 3. Elle est aussi en streaming qu'on pourra partager. Je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, prenez soin de vous et des gens que vous aimez. La vie, elle est si courte. Yamna Ash.